Bonjour Pierre. Oui, je vous apporte des nouveautés, c'est-à-dire des terrariums nouveaux genres que l'on peut trouver un peu partout. Et la caractéristique principale, c'est la forme de ces terrariums qui est intéressante. Prenez par exemple celui-ci. Vous avez une forme de sphère. Vous avez d'autres formes. Si vous avez une forme d'œuf. Vous avez des formes aussi cubiques, hexagonales. Vous avez aussi différentes autres formes. Enfin, il y en a tellement que ce serait trop long de les énumérer. Et ça Mais celles donne. que l'on trouve là, communément, les formes sphériques, les formes ovoïdes, ça c'est facile à trouver. Et ça donne un coup d'œil assez moderne, finalement. Oui, et surtout décoratif, si l'on a soin de choisir les plantes qui vont bien avec ces formes-là. Et il n'y a pas de problème, aujourd'hui, on peut trouver à peu près toutes les plantes dont on a besoin, étant donné que le marché est envahi par de nouvelles plantes de plus en plus. Alors, il n'y a À vraiment pas propos de du problème. choix des plantes, vous en avez une ici, là, qui, j'avoue, je ne l'ai jamais vue, cette plante-là. C'est une plante que l'on appelle l'étoile terrestre, que j'ai placée dans ma sphère ou ma soucoupe volante. J'appelle ça une soucoupe volante. Du moins, ça a la forme d'une soucoupe volante. Et je l'ai placée dans la mousse de sphingne. Alors, j'ai fait comme un cône et j'y ai placé autour des lierres communs et quelques petites roches. C'est pas long à faire, c'est Simplement pour le simple. décor, et puis Oui. une coquille aussi dans le Il y a coin. des coquillages autour. Alors, c'est décoratif, mais tout dépend. Voyez-vous, si vous avez une forme sphérique, une forme ovoïde ou une forme hexagonale, il faut absolument choisir la plante qui épouse bien ses formes ou les plantes qui épousent bien ses formes. Est-ce que c'est difficile de trouver cette plante qui est très belle finalement? Ce n'est pas tellement facile, mais moi j'en ai trouvé dans un magasin de variétés et j'en ai trouvé chez un pépiniériste qui possédait des serres. Ça rappelle un peu des feuilles d'ananas. Il y a des petites épines tout le long, là. Vous avez raison parce que c'est la cousine, c'est une plante cousine de l'ananas. C'est une bromélie, c'est-à-dire c'est dans la famille des broméliacées. Et si l'on va dans les serres du jardin botanique, là, à droite, là, on voit toutes ces plantes qui sont des plantes épiphytes qui poussent sur le tronc des arbres. Et ça, c'est une petite plante. Il ne faut pas naturellement placer une plante trop grosse. Mais ici, vous avez par exemple les lierres. Les lierres vont se développer. Il s'agira simplement de les couper et de faire d'autres boutures avec ces lierres. Bon, vous avez ici des boutures toutes prêtes, Oui. dans la mousse de sphaigne, bien On sûr. peut le faire aussi dans la terre, dans un bon sol, mais il faut que ce soit bien drainé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces contenants n'ont pas de trous de drainage, n'ont pas d'ouverture. Évidemment. Voyez-vous? Alors, c'est décoratif, suivant les plantes que l'on y ajoute. Alors, voici, ici, je vais en faire un pour vous montrer comment ça se D'accord. passe. Alors, je prends ma mousse de sphaigne, tout simplement, je la place ici. Et je l'ai mouillée auparavant. Moi, ça se travaille mieux, Ça hein. se travaille mieux, parce que sans ça, ça devient de la poussière. Alors, je prends celle-ci, par exemple, c'est un Peperomia rugueux. Vous voyez les feuilles qui sont rugueuses ici? Des aspérités, c'est bombé ici. Alors, vous en placez comme ceci autour. Si vous remarquez, ces Peperomia, capirata, ou enfin rugueux, sont très bien racinés. Que vous remarquez. Oui. Dans la mousse de sphaigne, ça racine très, très bien. Et la mousse reste avec. Oui. Ça, je vais vous laisser travailler un peu quand même. Évidemment, c'est La important. mousse reste autour des racines. On voit les racines qui sortent et puis Oui. la mousse est toute prise dedans. Alors, il ne Oui. faut pas essayer de détacher ça. Non, parce que ça donnerait un choc à la plante et on pourrait perdre plusieurs feuilles. Oui, c'est sûr. Oui. Et ça fait un mois environ que ces plantes-là sont dans la mousse de sphaigne. Alors voici, c'est comme vous voyez, c'est pas compliqué. On peut ajouter un peu de mousse autour de façon à ce que ça soit joli. On peut placer ça aussi, vous savez, sur le coin d'un bureau. On peut placer ça sur une table à café dans le salon. Ça place un peu partout parce que c'est tellement décoratif. Vous avez un petit tas de roches ici, c'est pour compléter votre décor, ça? Oui, justement, pour donner un peu plus de décoration, que ce soit un petit peu plus joli. Alors, vous placez vos roches tout le tour, comme ceci. On aurait pu placer juste une plante, mais si vous voulez pousser votre mousse vers l'extérieur, vers le fond, puis placer juste une plante, tout simplement. Maintenant, ces plantes-là vont grossir, il s'agira tout simplement de les rempoter et puis de placer d'autres genres de plantes, mais qui ne deviennent pas trop hautes. Étant donné qu'il n'y a pas de trou de drainage, est-ce que les arrosages demandent une attention particulière? Voilà, ça on va en parler parce que c'est bien nécessaire et c'est peut-être même vital. Alors à ce moment-là, il s'agit simplement de replacer le dôme
Et voici, ça vous donne... s'il y a des feuilles qui touchent un peu, là, simplement, vous replacez votre arrangement de façon à ce que le tout soit très bien. Et voilà. Quand vous l'arrosez, étant donné que vous n'avez pas de trou de drainage, ouais. Il faut attendre que la mousse de sphinx d'abord redevienne sèche. C'est la même chose pour la terre. Ouais. Alors, vous prenez, vous ôtez le dôme, vous prenez, on va dire, un verre d'eau, et vous faites glisser l'eau de façon à ce qu'elle s'en aille dans le fond. Ouais. Et vous voyez là qu'il y a de l'eau dans le fond qui stagne là. Et au bout d'une heure, vous allez voir que l'eau va remonter par capillarité. Alors, quand vous voyez que toute la mousse est mouillée, évidemment, vous ne donnez pas d'eau. Si vous apercevez qu'au bout d'une demi-heure, une heure, Pedro, il y a des parties qui ne sont pas mouillées, alors vous recommencez le même phénomène. Et tout dépend des conditions qu'on a dans la maison, ça c'est important à souligner. On peut arroser peut-être à toutes les deux ou trois semaines, même une fois par semaine, tout dépend. Et surtout vous, parce que c'est couvert avec seulement un petit trou d'air. Ça garde l'humidité et si on a des petites plantes, des petites fougères, de très petites plantes, ces plantes-là vont bénéficier naturellement de l'humidité qui se trouve à l'intérieur parce que vous avez un dôme, ça fait comme une petite serre. On peut même faire des petites boutures là-dedans. On peut partir les plantes simplement, celui-là, le peperomia ou d'autres peperomia ou d'autres plantes, on peut faire des petites boutures. Ça va raciner, puis les plans sont déjà établis après un mois. On en parle un de ces jours. Avec plaisir, Pierre.